Une petite vidéo là, après deux ou trois photos, encore une possibilité de revoir un peu Atlantide, enfin l'ex-Atlantide, que j'ai dû rebaptiser Christine et Laurie Granier d'ex-Atlantide, trois petits points, langue d'Oz, Drosoïs. C'est fait très facilement, ça, avec un film. Et autour d'une boîte de champignons. Et puis on voit donc transparaître, c'est le cas de le dire, puisque en plus c'est un film transparent. De très jolis, comme des œuvres d'art. À tel point que je m'associe là volontiers avec. Ah oui, mais c'est moi qui avais lancé l'idée des champignons au cours de la nouvelle donne universelle, interrégionale, mondiale. J'avais dit qu'il fallait en faire. Et ça a été fait d'ailleurs très bien puisque ces barquettes de champignons. Alors, suivant qu'on contraste, plus on contraste, plus on arrive à obtenir des informations dès que c'est très clair. Et donc, ensuite, il faut ajouter un brin d'imagination dans ce qu'on voit. Et on voit apparaître les visages, les portraits en transparence, un peu comme des marionnettes transparentes alors que c'est donc voilà voilà l'investissement pour la découverte de cette chose. Alors on peut aussi tourner dans l'autre sens, hein, le mettre à l'envers aussi. Et donc on a un bonus. Mais ça serait plus simple avec des écrans plats gyroscopiques, selon mon idée prototype, et qui doivent être beaucoup plus lumineux, parce que ça permettra à ce moment-là de faire des photos beaucoup plus contrastées. Et alors, du coup, là, je me suis mis en vertical, et bien à 90 degrés, et bien si on a un écran plat gyroscopique, on voit apparaître des choses vraiment réellement merveilleuses. En vidéo, déjà, même en 4K, même pas en cinéma, déjà, petite vidéo amateur. Selon ma méthode, mon idée donc qui permet un peu d'augmenter la réalité d'une façon vraiment intéressante. Donc ça c'est encore une chose une solution alternative élégante à la disparition de la vision de l'Atlantide. Normalement tout ça bah ça devait je j'aurais dû Je devais le faire à partir des années 77-78 avec ma femme Christine. C'était toutes les idées que j'avais eues entre 65 et 75, sauf celle-ci, parce que le film transparent et de cette qualité pour emballer je crois qu'il est apparu après. Après 75, en tout cas, moi je n'en ai pas eu la mémoire avant, mais dès qu'il est apparu, il m'a paru vraiment intéressant sur le plan plastique, indéniablement, et à tel point que, alors là aussi, si on s'approche de la lumière, et bien ça change, on voit des choses très belles apparaître, et si on met la caméra en verticale aussi, ça change de ce qu'on voyait,
Et on voit apparaître vraiment de très belles choses. Et là aussi. Voilà, donc on peut aussi revenir à la première idée. Enfin. Et c'est le bonus en fait des champignons. Évidemment, il faut ensuite le filmer alors qu'il a été. Bah, filmer le film. Hein. Donc c'est bien vu. Alors sur le côté, il y a aussi des peut-être un bonus qu'il faudra pas oublier d'archiver aussi. Et hop là. Hop, ça rebondit en plus, c'est drôle. Ça pourrait être un jeu. En voyant. Et puis on a ici le bonus de côté. Mais alors il faut se mettre. Le problème c'est toujours de trouver la bonne distance par rapport à la lumière pour réussir à révéler les représentations ozienne. Les représentations langue d'ozienne ou granier langue d'ozienne, si on préfère, ou bien le Christine et Laurie, granier d'Ex-Atlantide, langue d'ozienne. Alors, ce qu'il faut, c'est photographier ça mieux que je viens de le faire en improvisant, en n'ayant pas la lumière. Dessus là j'ai pas les conditions, je le fais sur mon lit, enfin devant la couette la chouette couette qui est en beaucoup plus grand. On pourrait faire des couettes transparentes, pourquoi pas. Au vu de ça serait drôle, peut-être que c'est possible. C'est une idée qui vient là. Là aussi, j'ai copyright. En tout cas, j'ai des droits d'auteur si elle est réalisée, puisque c'est moi qui ai donné l'idée et qui l'ai trouvée. Non, j'ai pas les conditions pour photographier. Là, je l'ai pas fait en atelier. Et donc, normalement, on ne doit pas voir la lumière dessus. Sauf si on recherche à la voir. Comme je le fais par exemple avec les betrachtes. Alors là aussi on peut essayer, mais dans ce cas-là il faut assombrir beaucoup plus, fermer le diaph là beaucoup et rapprocher le sujet. Alors ça peut donner quelque chose. Oui, il fallait essayer. Mais j'ai peur qu'on soit ébloui et qu'on perde. Moi, je crois que là, non, il y a des choses intéressantes à voir comme ça, mais peut-être il faut encore plus fermer. Alors, je vais fermer encore plus à 16 là. Donc, ah ouais, là, il y a quelque chose, effectivement, en rapprochant de la lumière, mais ça reste quand même beaucoup trop éblouissant. C'est pas. Ah, mais c'est assez joli quand même. Il faudra que j'étudie ça en photo plutôt. Je vais mettre une photo en mémoire pendant qu'on le fait. Sauf que c'est plus ce qu'on a vu au début de cette vidéo. Au début de cette vidéo, on a vu des personnages qui étaient là, comme des personnages, comme des sculptures devenues deux dimensions. Voilà, donc c'est une autre voie de recherche qui est née de cette première idée qui était en réalité toute simple, que celle-ci. Photographier, filmer le film, enregistrer le film sous la barquette de champignons. Donc il y en a un qui est sorti de ça. En fait, j'allais les faire ce soir,
donc les peler et les mettre dans la poêle. Et là aussi, je fais des choses un peu archimboldiennes avec les pelures de champignons. J'aime bien les utiliser plastiquement. Non, là, voilà, on voit que c'est quand même. Il faut pas que le spot soit dessus. Il faut surtout pas que le spot soit dessus parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est la représentation, la figuration qui apparaît, presque carrément religieuse. On a l'impression d'un évêque avec une mitre sur la tête qui est en train de dormir ou bien en train de prier sur une chaire qui est son espèce de grand fauteuil qui est autour de lui avec une autre personne derrière, comme si on était face à entrer dans une église où des gens seraient transparents. C'est extraordinaire, hein, cette chose qui apparaît. Alors, est-ce que l'autre, là, qu'est-ce qu'elle représente, l'autre? On voit une tête, on voit une tête ici. Mais il ne faut pas oublier que c'est avec un écran en plat gyroscopique transparent, ça tourne sur soi-même. Et puis, ça donne autre chose. On a à droite, complètement autre chose, un portrait, une sorte de tête. Et c'est pas mal du tout, hein. Aussi à l'envers. Ces deux portraits qui pourraient imaginer, oula, un dialogue entre ces deux personnages, et même, on pourrait même les animer, hein, ces deux personnages. Qui sont à première vue visibles de profil, comme des espèces de personnages de bande dessinée. Alors évidemment, il ne faut pas que le spot tombe dessus, que la lumière. Mais la lumière est nécessaire. Donc c'est là toute la difficulté, c'est faire que la lumière éclaire le sujet. Sans pour autant le rendre éblouissant au point de faire disparaître. Alors donc on en a besoin sans que donc en la maîtrisant. Ce qu'il faut, c'est tout le jeu, c'est la maîtriser. C'est ça qui est plutôt difficile. Alors là, je tourne pour voir de nouveau, mais avec peut-être un meilleur éclairage que tout à l'heure qui était. Puisque, en fait, c'est la première fois que je le fais. Et j'ai fait deux photos, je crois, ou trois avant, mais pas plus. On a aussi l'expérience elle-même de recherche, donc avec ses hésitations et ces difficultés, on assiste à la découverte, en fait, à la première découverte de ce que ça donne en cinéma, en vidéo. Et donc là, on retrouve le personnage et on le voit. Alors, ce qu'il faut, c'est chercher à révéler la chose. Donc, ça dépend vraiment de la position. Ça tient vraiment à un millimètre près de voir apparaître ou disparaître l'image qu'on n'a pas rêvé, non? Elle y était, c'était dans la réalité elle-même. On a bien vu apparaître, un peu comme le Saint-Suaire, d'une certaine façon, mais à notre époque, comme des preuves. De plus, d'une forme de divinité indéniable qu'aurait Jésus-Christ. Ce que j'avais confirmé il y a très longtemps, enfin très longtemps, pas très longtemps, au moment de ma confirmation, vers 12 à 14 ans. Mais bon, malheureusement,
Ensuite, j'ai eu toutes les découvertes que j'ai dû faire qui compromettent un peu cette confirmation, bien que je confirme la nécessité de la religion chrétienne pour tous ceux qui veulent, qui essayent de devenir Bouddha. J'ai pu voir que ça marche. Que ça entre en tout cas ça peut entrer en faveur de cette métamorphose et que ça, oui, parce que c'est sur beaucoup de points, cette religion a énormément de qualités. Ça, c'est absolument indéniable. Malheureusement, bon, il y a eu ce problème, qui me concerne, mais. Et qui a concerné ma femme. Mais bon, il faut dire que Jésus et la hiérarchie autour de lui n'avaient pas fait la mise à jour par rapport à tous les paramètres ultra scientifiques exacts, sans un photon d'erreur dans tous les univers et tous les temps qui me concernent en tant que grand architecte de l'univers. Donc, vous pouvez pas savoir ce que nous savions, nous, à notre époque, à cette époque-ci, sur les enfants, sur la nativité, sur la naissance. Non, il est bien d'une époque très très ancienne. Mais ce qui est bien, c'est qu'il se tient au courant et qu'il cherche à faire la mise à jour, justement, qu'il cherche à rénover et à faire de belles choses, et à éviter par l'ensemble des initiatives que l'Église a su prendre à certains moments, beaucoup de malheurs et surtout la création de très belles choses. Alors, je sais pas si c'est un auteur chrétien qu'on doit ce film. Moi, je pense que c'est surtout à la science exacte, des gens qui ont des chercheurs en science exacte qui ont mis au point ce film qui est protecteur. Mais dès que l'Église et dès que les religions se sont intéressés aux sciences et qui sont les sciences de l'architecte de l'univers, hein, de Dieu, enfin du Bouddha. Toutes les recherches ont toujours été par le Bouddha dans le monde des sciences. Ben, dès que l'Église n'a plus persécuté les gens de science et a accepté toutes les découvertes du monde scientifique, des grands hommes de science, eh bien elle n'a plus été un danger, elle est devenue formidable. D'ailleurs, dès qu'elle s'est intéressée à l'université, à l'enseignement, à un devoir d'enseignement des sciences elle-même, eh bien elle a pris le bon parti, comme puisque ça a permis, par exemple, que le sanctuaire, d'une certaine façon, entoure à un petit prix qui est dû à la loi de la quantité et de la rareté, qui a permis ce miracle malgré le racket inadmissible de l'augmentation du prix du pétrole. Car si le prix du pétrole avait été mis au prix que j'avais demandé, c'est-à-dire 0,01 centime de dollar le baril, eh bien les champignons nous auraient été offerts, comme tout le reste, jusqu'à 700 dollars, on l'a dit, 750 ou 800 dollars, chaque chose qui était vendu en 1975-77 à 700, entre 700 et 800 dollars, 850 dollars, auraient été offerts tous les jours à chacun des êtres humains,
sans exception sur toute la planète. Malheureusement, on a eu affaire à bien pire qu'escrocs, une bande de criminels contre l'humanité, qui, de toute façon, aura à en subir les conséquences avec les réincarnations les plus tragiquissimissimissimissimes, les plus malheureusissimissimissimes, les plus tristissimissimissimes, les plus honteusissimissimissimes et les plus cauchemardesquissimissimes. Ils ne les ont pas volés, non, puisque, à moins que là, ils s'amendent, ils rendent tout ce qu'ils ont volé et que finalement, puissent faire le monde tel que je le souhaitais et tel que je l'espérais pour tous les démunis, justement, et pas seulement les démunis, mais aussi pour les milliardaires qui pouvaient être 700 fois plus milliardaires, au moins 750 à 800 fois plus milliardaires, ce qui signifie ils ont été handicapés 750 fois à 850 fois, chacun d'entre eux, même les plus grands. Ce qui est vraiment dommage, c'est une perte réelle pour tous les autres, étant donné que dès qu'un milliardaire est un milliardaire, eh bien c'est une bonne chose pour tous les autres, pour tout le monde, même pour le plus démuni d'entre les démunis. Et celui le démuni qui ne le croira pas, qui ne le comprendra pas, bah, malheureusement c'est le malade, hein, c'est celui qui va pas bien, qui n'a pas étudié, qui est devenu un ignorant au mauvais sens de ce mot et non au bon dans d'autres cas particuliers, dans d'autres circonstances, dans d'autres occasions. Et c'est le fou au sens négatif, hein, et non positif de ce mot. Dans ces autres circonstances, en ces autres occasions ou dans ces autres hauts dans lesquels, heureusement, le fou l'est. Parce qu'il est d'intérêt général. Mais malheureusement, c'est rarissimissimissime dans ce cas-là. Et en général, ça donne effectivement des milliardaires. Mais des milliardaires qui n'ont pas usurpé un seul de leurs centimes, qui n'ont rien volé, au contraire, qui n'ont été que des bienfaiteurs de l'humanité. Voilà. Eh bien, à la prochaine.